Bonsoir tout le monde, c'est Xpert77. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de la campagne de Ruse. Alors j'ai dit bonsoir parce que à l'heure à laquelle je fais la vidéo, il est 17h30, donc enfin bref, je dis de la merde. Alors on va se lancer tout de suite. Alors la dernière fois on en était ouais, l'épisode 8 s'appelait Allons nous larguer, et bah maintenant on va repousser l'ennemi. Donc on voit que là on a pénétré dans les terres par ici, par l'ouest. Et là, on va les repousser vers l'est. Pardon, j'ai un petit peu de mal avec les points cardinaux. Donc, c'est parti. Bon sang, cette opération est lente. Bien trop lente. Ce n'est pas encore fini. Alors, comme d'habitude, je passe les cinématiques hein, pour gagner du temps, parce que... le dossier vidéo après il est vraiment très très lourd. Du coup même 30 secondes je suis prêt à l'économiser. Ah oui c'est vrai, alors j'avais oublié. Alors parce que je vous explique, mes vidéos j'en fais à peu près 2-3 tous les week-ends. J'en fais pas trop la semaine sauf si vraiment j'ai le temps. Et comme donc ça fait une semaine que j'ai fait l'épisode 8. Et j'avais oublié que on jouait les Anglais pour cette mission-là. Enfin pour la campagne d'Hollande. Donc hop, on commence direct. Hop, les dépôts de ressources. Alors celui-là, je vais pas en mettre un parce que il y a un blocus Siegfried. D'ailleurs, sur la vidéo que j'ai postée, la dernière vidéo que j'ai postée, enfin l'avant-dernière vidéo que j'ai postée sur World of Tanks, j'ai parlé dedans du blocus Siegfried parce qu'il y était dans World of Tanks justement. Alors, bah, je vais mettre un bunker anti-char. Je vais le mettre là. Ouais, ça a l'air très bien. Avec une mitrailleuse juste derrière, voilà. Et alors une usine de blindés, on va la mettre ici. Une usine anti-char ici. Ah, je peux pas faire de caserne, c'est étrange. Aérodrome, j'en ai déjà un. Et base de prototype, on va la protéger quand même parce que ça coûte extrêmement cher. Voilà. Alors on va mettre des ruses, je vais mettre des ruses de Blitz ici et de silence radio ici, voilà. Et d'espionnage, donc je vais espionner cette zone-là, puisqu'il y a pas mal d'unités, ok, donc c'est des flaques anti-aériens et de l'infanterie. Donc je vais pas attaquer aériennement par ici. Storm Tiger. Alors les Storm Tiger, c'est... Dans le jeu, dans Ruse, c'est l'évolution des Stug 3. Donc c'est un canon d'assaut, hein, c'est très efficace contre l'infanterie des bâtiments, c'est une sorte d'artillerie mobile, bah c'est une artillerie mobile d'ailleurs. Enfin, ça tire en ligne droite en fait, c'est pas de l'artillerie en mode en cloche là, ça tire en ligne droite. D'ailleurs ça c'en est un, à vrai, ça ressemble à un Churchill, ouais bah, ça doit être ça. Hein. Et archer, chasseur de chars. Alors qu'est-ce que j'ai dans la base de prototype? Ah j'ai des havrets, d'accord. Je vais en faire un de plus. Hein. Je vois pas trop l'utilité. À part peut-être pour détruire les blocus qui sont là. Les blocos, pardon. Pourquoi je dis blocus? Quoique, ça a une bonne portée, les blocos. Alors, il me faut des anti-chars. Alors, je vais en faire deux dans cette forêt-là. Et deux dans celle-ci. Ainsi que deux ici. Et un autre ici pour en faire deux ici. Base de blindés. Alors j'ai des cruisers et des Cromwell. Donc on voit que la différence entre ces deux-là, c'est que lui a un blindage de 1 sur 5. Et lui de 3 sur 5. Donc c'est beaucoup plus blindé. Et aussi il fait un peu plus de dégâts contre les chars. Du coup franchement, je préfère payer 50 pour avoir le Cromwell. Parce que le cruiser, c'est bien, mais vraiment en début de game. Et comme là on a déjà pas mal de choses, et que surtout les ennemis ont pas mal de choses, ça sert à rien de faire des cruisers. C'est mieux d'investir directement dans le Cromwell. Donc ce que je vais faire en priorité, c'est détruire bah, justement ça. Et ensuite je m'occuperai de ce front-là pour sécuriser ce dépôt, parce que quand même 432 dollars à l'intérieur, c'est pas à négliger. Donc ce que je vais faire, déjà je vais augmenter. Bah, je vais mettre une ruse de décryptage pour voir si on m'attaque par là. Il me reste 3 minutes de silence radio, donc j'ai à peu près 3 minutes pour envoyer mes havrets, détruire à distance. Comment ça s'appelle?
Les flaques. Alors, je vais faire un avion de reconnaissance parce que j'ai oublié d'en faire un. Hop, voilà. Ah oui, bah oui, l'infanterie, en fait, je peux la faire que par parachute. D'accord, bah, c'est très bien aussi. Donc voilà, j'ai la reco. Je l'approche pas trop, juste de quoi pouvoir voir. Voilà. Donc hop, ils sont en position. Hop, feu à volonté sur celui-là. Donc vous voyez, ça tire un bon coup de canon, mais horizontalement. Très puissant contre tout ce qui est pas blindé et contre les bâtiments. Hop, voilà. Donc là, il se replie. Normal en même temps. Ça fait très mal. Pam, pam. Voilà, ça l'a one shot celui-là. Donc continuez, hein, faites feu. On va avancer un petit peu la reco. Pareil ça, au cas où ils envoient des chars. Par contre, c'est vrai que là, ouais, s'ils envoient de l'infanterie, je suis dans la merde. C'est pour ça que je vais faire des cromwell au plus vite. Canons peuvent atteindre l'autre côté du pont. Je sais ce que Campbell dit. Quelqu'un a mis l'ennemi au courant de cette opération. Étant donné que ils n'ont plus d'antiaérien, je peux envoyer Marocco un peu plus loin. Ah, ok, ils ont l'intention, pardon, j'allais dire l'impression. Ils ont l'intention de m'attaquer, ces petits cognos. C'est pas gentil ça. Je vais faire une deuxième reco pour suivre deux. Comment ça s'appelle, deux fronts en même temps. Alors, est-ce que ça va l'achever? Ouais, très bien. Je vais l'avancer un tout petit peu plus. La reco, pareil. Et je vais parachuter. Donc j'économise un petit peu pour pouvoir parachuter deux unités par forêt. Ça va être suffisant, je pense. Donc une là, enfin deux là, deux là, deux là et deux là. Ça sécurisera bien le tout. Je pourrais capturer ce dépôt. 30e corps. Il est où le 30e corps? Ils sont mignons, hein. Ils me parlent d'un corps, il n'y a pas. Ah, c'est peut-être celui-là. Non. C'est pas grave. Alors, ils sont les deux avrés, ils sont là. Voyons, on va leur porter. Hop, attaquer celui-là. Ah bah voilà, ils l'ont fait tout seul. Donc c'est un pack 40 quand même. Alors, ils m'attaquaient quoi? Des tigers. Ouah, des tigers! Alors là, repli stratégique. Je mets en place mes deux trucs. Hop. Et hop. Alors, je prépare l'infanterie. Donc là, ils ont... Ouais, c'est bon. Donc du coup, finalement, en fait, je vais en mettre 3 ici. Il y a combien là? Qu'un seul? Oh mon dieu. Allez, plus vite. Un petit peu plus d'argent, s'il vous plaît. Il me manque 1 $. Faites pas les radins. Ils devraient faire un système de... Enfin, là, c'est trop tard, mais ils auraient dû faire un système de ressources négatives. Comme une sorte de dette en fait. Enfin pas trop non plus, mais au moins qu'on peut descendre jusqu'à moins 100, et si on descend trop, bah on descend trop quoi. Enfin, parce que là c'est vrai que c'est trop. Ouais. Ah mais c'est des leurres. Ah mais j'ai flippé pour rien. Donc vous voyez quand même, le fait d'envoyer des leurres, ça peut modifier la stratégie sur laquelle on opère, et du coup l'ennemi peut avoir un avantage à cause de ça. Donc là, moi, voilà, j'avais complètement oublié que c'était des leurs. Bah. Voilà. Alors, j'envoie une reco ici, et l'autre, je vais l'avancer un petit peu plus. Voilà. Donc ces trois unités-là peuvent avancer. Hop. Je vais mettre... Ah ouais, mais oui. Ah, mais il me voit, vu qu'il y a la reconnaissance. Ah super, voilà. Là, ils me feront plus. Attaque surprise. Je vais avancer un petit peu plus Marocco. Par là. Faut que j'avance mes unités d'infanterie là. Par contre, là, je sais pas du tout si c'est des leurs. Franchement, vu le nombre de tigers... Waouh, c'est des leurs tout ça à mon avis. J'en suis sûr et certain, ça ne peut être que ça. J'avais envoyé une reco là, où est-elle?
Ouais, c'est des leurs. Par contre, eux, je sais pas si ce sont de leurs. Ouais, ce sont des leurs. Vu qu'ils n'attaquent pas les Panzer 3. En revanche, les Storm Tigers, ce sont des vrais. Traverser la forêt. Aïe, 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 aïe. Donc il y a une infanterie grenadier contre deux de mes airborne, mais qui sont en déroute. Allez, attaquez-le, attaquez-le. Super, ne bougez plus. Ah, il m'a détruit mes deux trucs. Petit cognou, bah. Bah du coup, là, je pense que je... Bah, il faudrait que je renvoie une de mes rocos. Au plus vite. Hop. Parce que je sais plus du tout qui y a qui... Où y a qui... qui est Kokoyoko, quoi. Je sais pas si vous m'avez compris. Et il me faut ma deuxième reco pour voir s'il n'y a pas détruit dans la forêt, parce que je vais en parachuter ici. Airborne détruit. Ah bah non, en fait, c'est bien des vrais Panzer. Ah bah non, il m'attaque pas du tout. Oh, oh, il a fait un truc bizarre celui-là. Wow, pardon, petit coup de lag. Ah. Ah non, tu vas pas commencer à laguer. Ah mais je comprends pas pourquoi là d'un coup ça lag. Hein. Vous avez bien vu que depuis tout à l'heure je joue tranquille. Ah, bon, je fais une petite ellipse pour régler ça. Voilà, normalement c'est réglé. Ouais. Alors pour les curieux, j'ai juste... Enfin, il y avait le dossier dans lequel Frappe s'enregistre, il était... Il était pas plein, mais il y avait... Enfin, il était très lourd, en fait. Je pense que c'était ça. Vu que là, apparemment, c'est bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer... Ouais, je vais envoyer les trois directement par là-bas. Alors... Ah oui, j'ai plein de Russes que je n'avais pas vu. Donc, je vais mettre des Blitz dans toutes les zones. Et ici, je vais rajouter un silence radio, ici. Alors, je vois ma deuxième reco, ici, pour voir. Ok, super. Et je vais envoyer... Ah non, ça continue à laguer, je sais pas pourquoi. D'un coup, ça lague. Donc je passe de 50 FPS à 10 d'un coup. Pff, je sais pas pourquoi. Alors je vais faire 2 avrés de plus ici. Ainsi qu'un Cromwell, pardon. Enfin, 2 même, tu vois, pourquoi pas. Vu que j'ai assez d'argent. Hop, et on va les passer directement de ce côté. Player Panzer 4. J'aimerais le temps d'en embuscade. D'ailleurs, ici, il y a un objectif bonus. Capturer cette caserne-là. Et c'est ce que je vais faire en premier, vous allez voir. Ah oui, ah, j'ai perdu mes infanteries qui étaient là. Ah, par contre là c'est des vrais. Ah oui, ce sont des vrais, ouais. Ça ne fait rien. Feu à volonté peut-être, non? Waouh! Ah, ça a tiré combien de coups là? Ah, un seul canon, ça en tire deux. Ah. J'aime les Anglais. Ah, franchement, je savais pas. Ah du coup, ouais, vraiment, c'est un avantage qu'il faut tenir compte quand même. Alors, je vais faire parachuter 3 airborne here, yeah, bye bye, pour capturer cette caserne. Ensuite, je fais plein d'infanterie, bon, pas plein, genre 5. Alors, mes recos sont partis, du coup, bah, je vais les renvoyer. Ici, c'est très bien. Et ici, du coup, parce que tout à l'heure, j'avais pas vu. Alors, à vrai. Ouais, c'est très bien, parce que d'ici, il n'y a pas la portée. Ouais. Hop, feu à volonté. Faut que je détruise ces deux blocus. Oh merde, un Wirbelwind. D'accord, c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, il se replie. Alors, qu'est-ce qu'un Wirbelwind? C'est une unité anti-aérienne blindée, qui tire comme un dingue, comme vous l'avez vu. C'est super efficace. En plus, c'est blindé. Bon, c'est pas non plus le char le plus résistant, mais c'est vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, comment je vais l'abattre? En envoyant de l'infanterie, mais d'abord j'aimerais... Hop, oh, j'ai reçu un message de Skype. Ah bah zut. Ah, ils sont pas assez... Allez, renfort. Oui, super. Puis ils se replient vite. Russe espionnage. Super. Hop, capture. Vite, vite, vite. Et toi? Ah merde, il y a un Panzer 4. Portée. Ah. Ah non, non. Oh mon dieu. Capturez, capturez, vite. Merde. Blitz, blitz, blitz. Blitz, 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 courez, courez, courez. Vite, avant qu'une unité ne sorte. C'est bien. Et hop, retourne dans la forêt, toi. Alors, on va regarder sa portée. Je peux passer par là. Hop, sur le côté. Alors, du coup, maintenant, j'ai une caserne. Bon, je peux toujours pas en construire, mais au moins, j'en ai une.
Et je peux faire des chars Vickers, qui sont efficaces contre l'infanterie, qui n'attaquent pas les chars. Donc en fait, ils servent à rien. Par contre, je vais en faire 5 de plus. Hop. Ah, en fait, j'aurais aimé qu'il attaque le char, en fait. Je pense que c'est possible. Oui, attaque-le, 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 attaque surprise. Super! Vite, il a besoin de renfort. Super, bah au moins le char il est détruit, c'est nickel. Toi, va capturer ça là. Oh mais c'est nickel, j'ai géré sur ce coup-là. Ah bah tiens, il y a un des deux. Pardon, petit lag encore. J'avais pas dit de faire deux havrets ici. Parce que là j'en vois qu'un en fait. Bizarre. J'étais pratiquement sûr d'avoir fait deux havrets. C'est pas grave. Donc là, il faut que j'entre dans la ville au plus vite. Parce que là, il y a mes petits camions, ils vont faire le chemin. Mais s'il y a encore l'infanterie ennemie qui... Oh oui, il y a de l'infanterie qui se ramène. Alors ce que je vais faire, je vais faire 3 Vickers. 2 d'infanterie en plus. Et je vais envoyer... Ah, c'est vraiment relou là, le truc. Voilà, donc j'ai détruit les deux blocus. Blocos, pardon, je suis désolé. Hein, j'espère que ça vous dérange pas. Il va y avoir un petit affrontement militaire là. C'est pas très bien ça. Oula! Oh mais c'est pas l'infanterie. C'est l'artillerie mobile. L'artillerie en canon. Oula! À mon bâtiment. À l'attaque, qu'est-ce que vous attendez, bande de... Bande de... Plus vite, les Vickers. Je vais mettre un blitz. Ah bah, il y en a déjà un. Je vais en mettre un deuxième. Voilà. Donc là, petite baston. Allez, pite, pite, pite. Non, toi, tu fonces quand même. C'est quoi, c'est les Rangers? Ah non, des Airborne, c'est vrai. Ah, ils se prennent de l'artillerie en pleine tronche, là. En avant, les Vickers. À l'attaque! J'avais pas envoyé deux infanteries ici, ils ont dû se faire violer à mon avis. Alors je vais envoyer. Ah, il m'attaque avec quoi? Des mardeurs. Ça va, c'est des chasseurs de chars, mais. Donc du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer trois d'infanterie ici. Alors ici, comment ça se passe? Donc là, j'envoie tout vraiment. Je... Ah, bah, j'envoie tout là. Bon, ça va. Avec mes Vickers qui foncent. Ah, j'ai perdu un Vickers. Ah oui, d'accord, mais attends, c'est quoi ce véhicule? Un Stug. Ah bah, comment ça se fait que c'est ça qui m'a fait perdre... J'ai perdu tous mes Vickers, c'est quoi ce délire? Comment? How? How? Impossible! Oh my god! Allez! Et hop, toi, on va capturer la base de blindés. Elle est où la reco? J'avais mis une reco là, je crois. Ouais, je peux où elle est. En tout cas, faut que je la renvoie. Voilà, base de blindés. Hop, là, direct. Hop, char, quoi, direct. Du coup, bah là, ces unités-là, bon, certes, ils ne sont pas très nombreux. J'ai envoyé une reco aussi ici. Ça, j'attaque ici. Toi, hop, je te capture parce que je t'aime. Ah non, toi tu touches pas à mes trucs. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout là. Arrête, arrête ça, arrête ça. Moi j'envoie à capturer ça. Ah non, 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 ça va pas le faire là. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Il va détruire mon bâtiment. Oh putain, un Tiger. Wow. Oh my god. Ah. Un new Tiger. Je sais pas si ça se dit. Bah si ça se dit, pourquoi ça se dirait pas? Ah là, non, je fais n'importe quoi là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Oh mon dieu, il est one shot le 88. Capturez, capturez! Bam, bam! Wow, mais capturez, bande de cons, là! Je sais pas ce qu'ils attendent. Allez, anti-char, anti-char, qu'est-ce que t'attends? À l'attaque, à l'attaque! Oh mon dieu. Ah mais l'artillerie, elle va... Non, non! Faites des archers, faites des archers. À l'attaque. À l'attaque. Les havrets. À l'attaque. Oh mon dieu, il fait un deuxième tiger. Ah mais je suis dans la crotte, dans la mouise, dans la merde, ce que vous voulez. Ah, je m'en fiche, là, je donne tout pour capturer cette base-là, il n'y a pas de souci. Hop, j'attaque de ce côté aussi. Enfin, je vais défendre ici plutôt. Alors, en avant les havrets. Qu'est-ce que c'est que ça? Attaquer? Qu'est-ce que vous faites là? Attaquer les Tigers. Il me reste plus d'infanterie. Ouais, j'ai plus d'infanterie.
Donc du coup, ah si j'en ai là. Il faudrait que vous capturiez leur base de blindés avant qu'ils ne refassent comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Des tigers. Ouah, il y en a un là. Ça va pas le faire. Ah bah si. Ah, ils sont vraiment puissants les archers. Ah, un Wirbelwind. Ah, il va me l'avoir. Ah oui, il l'a eu. Bon bah sur ce coup, hop, capturation de ça et capturage de ça. Oui, ce ne sont des mots qui n'existent pas. Objectif accompli. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la mission n'est pas terminée. Ah, c'est vrai. Il contre-attaque et je dois défendre le QG que je viens de capturer. Donc je vais tout envoyer, celui-là ici plutôt. Hop. Comme ça j'aurai beaucoup plus d'argent parce que là j'ai rien du tout. Il me faut une caserne. Ah c'est ballot ça, j'ai plus d'infanterie. Je suis obligé d'attendre. Je vais en larguer un là. Et un là. J'ai pas le choix en fait, je suis obligé. Il faut que j'envoie une reco ici parce que là ils sont aveugles. Ah ouais mais eux ils vont être aveugles aussi du coup. Je suis obligé de la laisser là. Faut que je mette une bite. Ici. Voilà. Ah, et ici tiens d'ailleurs. Vu que j'ai assez. Je vais mettre ça dans la forêt pour les aider. Hop hop. Alors je vais avancer mes archers. C'est deux PDR là, ça s'appelle moins PDR, ouais PDR. Ici. Camion de ressources détruit, je suis pas d'accord. C'est quoi comme truc ça? Panthère? Ouais, ils ont un panthère! Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est fini? Quoi déjà? Bah elle était super en contre-attaque, franchement j'applaudis. Je sais pas, à mon avis ça doit être ceux que j'ai mis dans la forêt là-bas qui les ont contre-attaqué, enfin attaqué en embuscade, sûrement. Non, bien 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 bien. Bon. Eh ben les amis, je vous dis à bientôt pour l'épisode 10 qui consistera à faire la dernière mission de la campagne d'Hollande. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à aimer et à partager et à vous abonner. Salut !